you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou ma beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression de ne pas avoir filmé pendant au moins un moment. Oui, vous aurez noté que je suis un chouïa moins présente sur ma chaîne parce que en fait je combine le taf, tout le reste, les courses, etc. Et en fait au niveau temps, il faudrait que je me greffe 12 heures nouvelles dans une journée pour pouvoir tout faire. Donc en fait quand je rentre à la maison et qu'en général je fais les montages le soir, ah les vidéos, il n'y a pas de problème, hein, vu que je me prépare le matin, je vous filme des vidéos, donc j'ai des vidéos à vous proposer. Mais alors le montage, c'est tout bonnement une catastrophe. J'ai pas envie, ça. Mais vous savez que le montage ça prend du temps quand même, hein, surtout, il n'y a pas que le fait de tourner la vidéo qui prend quelques minutes quand même. Donc du coup, en fait, j'ai des vidéos à vous proposer, mais si je pouvais vous les mettre brutes, genre, sans montage, sans rien, ça ce serait parfait, mais je peux pas. Et d'ailleurs, j'ai une connexion internet pourrie, c'est-à-dire que du coup, vous avez eu des vidéos pourries ces derniers temps, où ça coupe, ça grésille, ça. Je sais pas trop ce qui se passe, et en fait, c'est ma connexion internet. Une fois que je mets ma vidéo à télécharger, enfin, à uploader, je sais pas ce qui se passe, il y a des coupures, ma ligne n'est pas stable. Du coup, ça donne les belles surprises que vous avez eues récemment sur mes vidéos. Et donc, je vais essayer de régler ça avec SFR. Mais du coup, problème parce que je suis pas tout le temps là à la maison. Et maintenant, j'ai des horaires de bureau. Donc, les horaires de bureau aussi des centrales d'appel. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Et en ce moment, vous savez que pour le boulot, j'en viens à vous faire. Vous savez que pour le boulot, j'aime bien mettre des rouges à lèvres mat parce que ça tient toute la journée et que ça ne bouge vraiment pas. Donc quand j'en mets un le matin quand je pars, en général, il tient tout le reste de la journée. Cependant, le petit désagrément des rouges à lèvres mat, c'est que les lèvres, elles n'en peuvent plus. À un moment donné, elles disent « Stop ! Saturation, on arrête là, donne-moi autre chose !» Donc du coup, je vous propose aujourd'hui une alternative à toutes ces choses assez chantes, etc., qui vous abîment un petit peu les lèvres. Et donc, plutôt que d'avoir des baumes dits traditionnels, ou même les Baby Lips, qui sont, je les ai testés, je les aime pas du tout, de chez Maybelline, ou alors de startiner le rêve de miel de Nuxe, moi je le fais le soir, mais du coup, pendant la journée, j'aimerais bien avoir... voilà, cette. Puis en ce moment, c'est la mode des cushions qui sont assez chantes, des encres qui sont pas très nourrissantes non plus. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose une alternative à tous ces petits désagréments qu'on fait subir à nos petites lèvres chéries. Parce que quand même, elles sont importantes. Hein. C'est elles qui font les bisous. D'ailleurs, je vous en fais plein. Donc aujourd'hui, on va tester ça. Enfin, on va tester. Moi, je les ai déjà testés. Donc, je vais vous donner mon avis sur la question. C'est les nouveaux roses... enfin, les roses rouges baumes de chez Sephora. Donc, en fait, ça se présente comme ça. C'est un raisin comme un rouge à lèvres. Et en fait, c'est des baumes tout doux. Mais vraiment, quand je vous dis tout doux... Oh là là, la texture. En fait, ça a la texture d'un baume. Ça a la couleur d'un rouge à lèvres... d'un rouge à lèvres, voilà, il est cette teinte là, c'est le B03. C'est voilà, c'est le B03 et en fait voilà, il donne ça et ça sur les lèvres. Donc je trouve que c'est des très très beaux produits ce qu'ils nous ont sorti là, Sephora, parce que je l'ai testé ce week-end parce que je l'ai reçu de Sephora, donc là, vendredi dernier. Donc je l'ai utilisé ce week-end, je l'ai utilisé hier lundi pour le taf, et là, aujourd'hui, on est mardi, et je l'ai encore, quoi. C'est un truc que j'emmène dans le sac, et en fait, pendant la journée, au lieu de mettre un baume transparent, voilà, qui nourrit, mais comment dire, qui va pas être là, c'est quelque chose de glam, quoi. Et ben là, pour le coup, donc j'ai voulu vous faire un maquillage chargé sur le haut, et vous laissez quelque chose en transparence naturelle sur le bas. Et ça convient vraiment à tout le monde. Les make-up chargés comme les teints naturels qui n'ont pas envie de vraiment quelque chose de prononcé. Ça, c'est ce qu'il vous faut. Et en ce moment, mes lèvres, elles me disent merci. Parce que du coup, dans la journée, j'ai tendance à... Vous savez, les petites, enfin, les petites particules de peau qui sont asséchées, qui rebiquent.
J'ai tendance dans la journée à prendre mes ongles et à tirer dessus. Donc autant vous dire que quand je reviens à la maison, je suis plutôt lèvres de quoi? C'est qui a des lèvres rouges comme ça? Je sais pas, poisson rouge ou je sais pas. Et tout ensanglanté en fait parce que à force, quand tu tapes dans le vif, c'est la chair ensuite. Donc pour éviter ça, j'ai trouvé cette belle alternative. Et franchement, il fait vraiment rouge à lèvres. Mais il a la douceur et le confort d'un baume à lèvres. Donc du coup, je suis vraiment pas déçue par la couleur ni l'opacité. Parce qu'en général, ces trucs-là, c'est toujours en transparence. T'as rien qui reste, comme les Bibi Lips là. Alors que ça, franchement, je vous recommande. Ils doivent pas être très très chers. Je vous remettrai de toute façon le lien du produit et le prix en barre d'infos. Et puis c'est tout pour l'heure. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime d'amour, je ne vous oublie pas. Mais je vous aime trop quand même. Allez, gros bisous. Ciao! Are you listening?